Appuie tes ballons, Aïssa, poids de corps. Pied fort. Au sol. Rien à y. Touche. Allié. Oh, super. Donc, Peggy Provo, 91 sélections donc, en équipe de France, ancienne joueuse, et puis aujourd'hui donc entraîneur national adjoint du sélectionneur Olivier Chouafny. Prop, prop. Voilà, parfait. Oui, Camille. Alors les grandes étapes, c'est que j'étais donc à Clairefontaine, au Pôle France, donc à partir de 1998 jusqu'en 2004, où j'ai pu donc eh bien, jouer et être formée ici avec notamment Gérard Prêcheur. Et puis en club, je jouais à Juvisy-sur-Orge et j'étais donc sélectionnée en équipe de France sous l'ère Elisabeth Loisel. Donc là, du coup, le ballon, tu le mets de ce côté. Toujours ce que je veux, c'est la sortie de coupelle. J'enchaîne, contrôle orienté. Voilà. Parfait, Clarisse. Oui, Gaëtan. Bah, beaucoup d'envie, beaucoup de, et de projets communs avec une culture de la gagne et espérer pouvoir retransmettre déjà tout ce qu'on m'a appris, mais surtout dans l'intérêt général de la fédération, espérer pouvoir décrocher un titre sur une grande compétition. Bah, chaque équipe de France a son histoire, chaque équipe de France a pu marquer son histoire et j'espère que l'équipe de France d'aujourd'hui pourra aller décrocher un titre. Premier match pour moi en tant que entraîneur national adjoint, donc c'est un réel plaisir de pouvoir intégrer ce staff, de travailler donc pour la Fédération française de football. L'avenue en Angleterre m'évoque que des bons souvenirs, toujours le stade à l'anglaise, une culture de la gagne, des supporters et puis des matchs engagés entre la France et l'Angleterre.